tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. Coucou les loulous. Coucou. Dites-moi, ça va aujourd'hui? Oui. Oui. Et les petits copains? On espère que ça va bien aussi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais une vidéo sur la recette. Ben, c'est la recette du dimanche. Tous les dimanches, on a une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, nous allons faire quoi comme recette, Corentin? Des croissants en Kinder chocolat. Des croissants Kinder chocolat, c'est ça, Corentin? Oui. Mais ça a l'air bon, ça. Bien sûr, oui. Ah ouais. C'est des tout petits croissants. Ah ouais, chouette. On commence la recette, on doit analyser les ingrédients, petit copain? Oui. Il nous faut donc... Des Kinder. Des Kinder, mais il en faut combien? 8. 8? Mais il n'y en a pas 8 là. Mais c'est papa qui en a mangé un. Ah oui, papa il nous a mangé un Kinder, donc nous on en a plus, de 7, plus que 7. Oh là là, le gros gourmand. Mais les amis, et il moi, en moi faut aussi. 8. Moi j'en ai mangé un seul. Ouais, toi aussi t'en as mangé. Ah, du coup on en a plus assez, mais bon, on va essayer avec 7. Non mais moi j'en ai mangé un. Oui. Alors qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? De la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, mais encore un œuf. Un œuf. Et après, pour préparer l'œuf, ben, on a pris un bol, un pour mettre la coquille, un petit couteau à utiliser avec les adultes, les enfants. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons, Céane, là? C'est quoi ça? Un pinceau! Un pinceau! On va voir après à quoi ça sert. Est-ce qu'on commence la recette? Oui! Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Quentin? Je vais ouvrir la pâte. Oh, tu ouvres la pâte. Et après, Océane, on va faire quoi avec la pâte? Je vais la dérouler. Tu vas la dérouler? Et après, on attaque la recette une fois qu'on a tout préparé. Il faut aussi, Corentin, il faut faire quoi avec l'œuf? Il faudra le casser. Ah bah oui, bah vas-y. Casse le l'œuf. Tu le casses dans le bol. Hop, prends ton main. Et tu mettras la coquille dans le deuxième bol pendant que Océane, elle, déroule. Tu fais quoi, toi? Je déroule la pâte. Ok. Voilà. Waouh, bravo, Corentin. C'est un chef, Corentin. Et Océane? Attends. Oh là là, tu t'en sors? Tu veux que je t'aide? Non, pas trop. Non, pas trop? L'œuf entier. Bah, qu'est-ce que t'as mis? Bah, tu l'as cassé, cette œuf? Oh, mais tu nous fais l'œuf là! Je l'ai recollé parce que j'ai pas complètement tout cassé. Et voilà. J'ai fait. Et voilà. Super! Alors, Corentin, Océane, la pâte est déroulée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper en deux les morceaux. En 8. En 8, oui, Corentin a raison. On va couper en 8. Donc d'abord, on va commencer avec Corentin. Alors les amis, surtout, n'utilisez pas de couteau sans des grandes personnes parce que vous pouvez vous faire très mal. Mmh. Alors, Corentin... Mais ça, c'est pour manger. Toi, t'es droitier, non? Oui. Ça, c'est pour manger. Alors déjà, on va couper en deux. Alors en deux, hop, vas-y. En deux. On va essayer de prendre le milieu, tant qu'à faire. C'est au milieu, là? Oui. Allez, vas-y, on coupe. Hop, hop, hop. Bien au milieu. Voilà. On a fait un... Après, on va couper on encore un trait au milieu. On va faire en deux, donc ça va faire en quatre. Ouais. Hop. Okay. Alors, vas-y. Hop. Ça coupe bien. Hein. Voilà. Maintenant, je vais couper avec Océane parce que chacun son tour. Après, on va faire une autre quoi? Après, à toi, après, à Corentin. Non, après, après c'est tout. Après, ce sera coupé. Alors, attendez, hop. Voilà. On va recouper. Une petite part de pizza. Mmh. Ah ouais, on a une pizza. On coupe la pizza. Mais non, c'est pas une pizza. C'est juste de la pâte. Hop là, voilà, hop, tu prends ma chérie. Mais pas de la pâte à pizza. Avec maman. Mmh. Et voilà. Et là, on a coupé un.
8 petites parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je vous écoute. Hein. Pose les Kinder. Alors, on prend un Kinder, donc un Kinder chocolat, on l'ouvre. Jusque-là, rien de compliqué, hein. Et ensuite, une fois qu'on l'a ouvert, on fait quoi avec? On le mange? Non. On pose sur les bords. Ah, on pose sur les bords, d'accord. Bon. Hop, super. Je vous laisse faire, hein, parce que vous êtes trop fort pour faire ça. Vous voyez, les petits amis, pourquoi il faut 8 Kinder? Parce qu'on a 8 peurs. Et là, quand on n'a que 7 Kinder, et ben, il y en aura un. Mais il n'y aura pas de chocolat dedans. On va le faire nature. C'est pas grave. Maman, qu'on a mis les Kinder. Qu'est-ce qu'on fait, les enfants? On va enrouler. On va enrouler? Comment vous montrer? D'accord. Et oui, on va faire des petits croissants. Donc, on roule, on roule, on roule. Ah ouais, c'est trop chouette. Fais voir. Ah oui, regardez, c'est comme un petit croissant. Par contre, les petits amis, là, on a fait le croissant, mais il va falloir pincer les bords, hop, pour le faire. Pour le faire quoi? Cuire. Pour le fermer? Oui, mais après cuire. Oui, sinon ça va dégouliner après. Mais, oui. Voilà. Donc je vous laisse les rouler tous. Hop. Je vais fermer celui-là. Hop. Papa, c'est trop chouette. C'est bon, maman. C'est bon? Alors, moi, je les ferme parce que c'est un peu difficile. Tiens, maman, j'ai bien fait. Allez, fermer. Ouais, super. On a terminé avec les croissants. Enfin, on les a façonnés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Coranta? Mettre l'œuf dessus. Oui, on va prendre le pinceau que voilà, avec l'œuf de Coranta. Bon, on va le casser. Hop. Voilà, on va mélanger un peu, voilà. Et avec ça, ça va faire... Ça sert à quoi l'œuf sur les croissants, vous savez? À faire un tout petit peu briller. Voilà, à faire briller, à faire dorer les croissants. Donc, Océane va commencer. On peut faire ça avec du miel. C'est toujours la plus petite qui commence. Alors là, tu prends et tu mets un peu dessus comme ça. On pourrait essayer avec du miel pour faire briller. Oui, ça c'est sur la galette qu'on fait. Mais essayez. Allez, vas-y. Hop, sur celui-là. Et chacun, on fait la moitié. C'est bon. Je pense que ça suffit aussi. Allez, vas-y. Les amis, ça sert à rien d'en mettre de trop. Un petit peu, ça suffit sur les... pour les faire dorer en fait. Voilà, regarde. Tout petit peu, ça suffit. Vas-y. Voilà. C'est bon? À Coranta maintenant. Une fois que Coranta aura terminé, on va les mettre dans quoi, Océane? Dans le four. Dans le four. On va les mettre dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. 20 minutes. Ça y est, c'est sorti du four. Alors, à quoi ça ressemble? Une étoile. Mmh. Une étoile. Ça sent l'étoile filante. Mais c'est joli ça, faites voir. Ça sent le feuilleté étoilé. C'est super beau. Ouais, ça sent un peu le feuilleté étoilé, t'as raison. On en coupe un en deux pour voir? Tu l'ouvres en deux pour voir à quoi ça ressemble? Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bah toi aussi. Prends un, tu ouvres en deux, comme ça on va goûter. Va voir dedans. Il y a le Kinder dedans qui est tout fondant, non? Mmh. Oui. On goûte? Oui. Et on me dit si c'est bon. Hein? Alors? C'est un goût du feuilleté étoilé. C'est le goût du feuilleté étoilé? Un tout petit peu. Un tout petit peu? Est-ce que c'est bon? Ouais. Ouais? Il est comment le pouce? J'aime pas. Pas bon, le pouce! J'aime pas. T'aimes pas? Ah bah donne-moi alors. Océane n'aime pas trop. Alors moi je vais goûter. Hop, j'en vois l'air. Bah t'as mangé tout le chocolat qui est à l'intérieur, Chibi. Oh. Mmh, c'est trop bon. Mmh, j'adore.
Mais ça a vraiment le goût du Kinder, hein. Ouais. Du Kinder surprise, un peu. Bah, du Kinder chocolat, au final. En même temps, c'est logique, on n'a pas mis la confiture de fraises dedans. Et les enfants, c'est déjà la fin de cette vidéo. Est-ce que ça vous a plu? Alors dites-nous dans les commentaires si ça nous a plu, comme Océane vous demande. Dites-nous si vous aimez bien les Kinder. Tiens, lesquels sont vos préférés Kinder? Ce serait sympa. Moi, les Kinder Surprise. La Kinder Surprise, pourquoi? Parce que j'adore le chocolat. Ouais. Et les surprises. Oui, les Kinder. Ouais, surtout les surprises. Et Corentin, il aime quoi? Tous les Kinder. Tous les Kinder, toujours le gros gourmand qui adore tous les Kinder. Et papa aussi, il aime bien tous les Kinder. Ouais, on a vu qu'il aimait bien tous les Kinder parce qu'il nous en manquait, hein, pour faire la recette. Hein. Et moi aussi. Tous les chocolats, lui. Moi aussi. Alors les amis, n'oubliez pas de mettre un petit... Vous verrez le haut. Un petit... Comme Anna. Ah oui. Un petit... Commentaire. Et si c'est pas déjà fait... Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait... Ciao. On fait des gros bisous. Bisous. Ciao, les amis. Ciao. Ciao. Ciao.